Salut, salut poto, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir, à mon avis, le meilleur spot pour farm du légendaire et surtout, surtout de l'expérience. Donc, ça se passe sur la canapée vorace, enfin à la canapée vorace. Donc, comme tu peux le voir, j'ai déjà un peu commencé. Donc, tu as l'endroit sur la carte, hein, tu feras pause au pire, tu reviens en arrière. Donc, là, en fait, c'est des chiens, c'est des singes que tu tues en boucle. Alors, tu vas me dire, ouais, Charles, c'est mignon, mais comment tu fais pour qu'ils se reproduisent? Et bien, c'est très simple. Si tu lui fais une attaque de froid, dès que tu l'attaques avec de la cryo, donc de la glace, les singes se reproduisent. Regarde, comme tu peux le voir. Et en plus, ça te fait une quête de chasse. Donc, c'est un objet légendaire à la fin, je crois, de mémoire. Enfin, bref, comme tu peux le voir et comme tu vas le voir tout au long, ça drop plutôt pas mal. Moi, j'ai pris la grenade X qui te permet de faire des. Tu sais, ça te fait des ricochets comme ça de glace. Donc, c'est parfait pour qu'ils puissent se multiplier. En plus, elle est directement à tête chercheuse. Mais si tu n'en as pas, tu peux le faire avec n'importe quoi. Du moment que ça fait des dégâts de froid. Hein. Donc, c'est vraiment un bon spot. Si tu veux faire un maximum d'XP, regarde mon XP. Je prends 20 000 par mob. Enfin, par combinaison de mobs. Hein, parce que bon, il y en a plusieurs des fois. Et si tu veux prendre une trentaine, quarantaine de niveaux par heure de gardien. Fais-le. Voilà, je le fais, je précise, en mode offline. Donc tu te déconnectes, tu te mets un petit film en même temps et ça te permet d'avoir une belle session d'XP parce que je te rappelle que quand tu es en mode offline, tu gagnes 10 fois plus d'XP. Donc c'est vraiment pratique. Regarde, 5500, 8500 en bas, 11 000. Les légendaires, ça tombe en plus. Alors, et à partir d'un certain moment, les légendaires ne tomberont plus, donc c'est simple, hein, tu quittes la partie, tu reviens et tu recommences la même astuce en boucle. Voilà, ben moi je vais faire ça pendant encore 5-6 heures, tranquille, hein, moi je bosse en même temps, je regarde un film en même temps, je suis tranquille, franchement. Voilà, je te conseille de le faire avant que ça soit patché, avant que... voilà, après je sais pas s'ils peuvent réellement patcher ça, puisque ça se fait en mode offline, dans l'idéal, après tu peux le faire en ligne, mais bon, autant gagner 10 fois plus d'XP pour le même temps de jeu. Donc voilà, c'est vraiment une astuce que je te donne. J'espère que ça te plaît, que ça t'aide. Laisse un petit commentaire pour me soutenir, un petit like, abonne-toi. Ça fait toujours plaisir, ça me motive. Je tourne quand même à une, voire deux vidéos par jour en ce moment. Voilà, donc là, tu vois, j'ai déjà pris des niveaux de gardien. Je suis déjà à niveau 232. Ça farme bien, tranquillement. J'espère que ça t'aide, tout ce contenu, ça me fait plaisir. Donc voilà, pense à bien utiliser une grenade de froid ou un gun de froid. Faut pas que ça les tue trop vite. Donc jauge en fonction. Puis bah tu vois, ça passe bien. En plus, ils font même pas de dégâts. Donc voilà. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que ça t'a aidé. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, poteau. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.